Bonjour à tous et bienvenue dans notre Super Multi Max Stellaris Fédération Max avec des copains Super Max et le 10e épisode c'est Max. Bonsoir à Slan, Fea et Kin, bonsoir les gars. Salut Max. Bonsoir. Alors, j'aurais pu dire bonsoir à la corneille, bonsoir au chaton, au croc édenté et bonsoir mon petit Kin. Ah oui, oui Slan s'est reconnu. Ah oui c'est vrai que non. Ça picote. Ça picote. On peut dire n'importe quoi. Ouais, on peut dire n'importe quoi. Et nous, c'est la guerre, c'est sérieux là, s'il vous plaît, un petit peu. On va défoncer le Caloctora ou pas? Nous aussi, c'est sérieux, c'est pas la guerre, mais c'est sérieux. Ça va pas tarder à le devenir. Hein. Ouais, ouais. La guerre. Il est temps qu'on fasse un petit peu le ménage dans ce haut de cartes. Hein. Totalement. Alors, je remercie tous les abonnés qui nous ont fait plein de commentaires, et notamment de petites astuces dont j'ai tenu compte et surtout que je n'ai pas dit à mes camarades. Voilà. Ouais, le méchant, il garde tout pour lui, quoi. Oui. Vous avez qu'à voir les épisodes de Slan et leurs commentaires. Alors, je sais pas si mes épisodes sont meilleurs que les vôtres, mais mes commentaires sont très bons en général. Écoute, moi, j'ai pas de commentaires à faire, mais j'aurais une dédicace, un petit coucou à faire, si vous l'autorisez. Je suis en formation, je souffre en journée, mais il se trouve que j'ai trouvé des geeks avec qui discuter pendant qu'on fait nos formations. Donc, coucou à Chetinoob et à Spartan Taz. Voilà, c'est fait. Bah, moi aussi, je vais faire ma petite dédicace. Je vais faire un petit coucou à Denis, qui est mon premier tipeur depuis longtemps. Voilà. Donc, je vais faire un petit coucou. Bah, moi, je vais faire coucou à ma maman, hein, parce que c'est un classique. C'est vrai qu'en ces temps de confinement, tu l'as pas vu depuis combien de temps, ta maman? Oh, tu sais, moi, c'est une fois par an. Oui, normal. Moi, je l'appelle plus souvent que d'habitude, elle est très contente. Ouais. Tu fais coucou à la famille aussi? Ouais, non, ma famille est sous mon toit. Allez, on mais joue non, là un famille, petit peu parce que là on a... Oui, c'est parti. La parce que dans le jeu, justement. Franchement, là. Ah, on commence à délirer grave. Ouais. Oui. Alors, du sang. C'est plus ce que je faisais, moi. Du sang et de l'action. Ça va piquer, là. Elle est faible. Ah oui, du coup, on va. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Faire ça. Lui donner de la bouffe à lui. Pourquoi suis-je aussi faible? Mais ça a démarré. Quand vous dites ça démarre pour de vrai. Ah ouais, ça démarre à sec. Ouais. Alors, ça y est, Fea, t'as fini de conquérir? Bah écoute, oui, mais avec un décalage dû à la dilatation spatiale temporelle, tu sais, le temps que la lumière arrive chez toi. C'est le lag. C'est le lag. Je vois pas tout ce que t'as déjà pris. Ouais. Du coup, c'est grande galaxie, hein. On travaille Nelson hein, ce soir, on va essayer. Ah bah je suis en train de le travailler là, j'ai repris comme un malade. Il me doit déjà deux faveurs, c'est bien. Ouais, mais arrêtez de tricher. Ah oui, on triche pas, on apprend des choses en off aussi des fois. C'est ça. Oh, j'ai les montres trolls, dommage que j'ai pas beaucoup d'esclaves. On lit les commentaires de tes abonnés, Slan. Mince, je suis fichu. Ah punaise. The special project has concluded. Il a l'air d'apprécier pas mal de la fédération a gagné un niveau, nous sommes level 3. Encore ? On n'arrête pas de progresser. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Fédération avec Nelson, je suis à moins 98, hein, c'est encore chaud. Hein. Oh, t'inquiète, ça va le faire, je vais pouvoir les inviter dans très peu de temps. Ah bon, bah écoute, hein, je fais confiance. Oups, j'ai raté une techno. Ça me paraît bien. Ouais, partir là-dessus. Sinon, il a une. Tu peux commencer à faire la flotte de fédération si t'as envie. Ouais, tu me dis ça tout le temps, mais non. Ah oui, d'ailleurs, TK, t'as lancé des modèles de vaisseaux ou pas du tout? Non, parce qu'on peut pas encore faire de vaisseaux. C'est moi qui aurais le leadership, tu crois? J'ai pas le licoon de Fédé. Je crois avoir compris que tant qu'on dépasse pas notre KP à tous les deux, moi je suis encore en rouge, on n'a pas de puissance fédérale. D'accord. Parce que moi aussi, je suis en rouge. Voilà. Et en plus, si on revient sur notre fédération, les sudistes, il va falloir qu'on fasse une donation dans les lois au niveau de la flotte, je crois. Si je reprends bien. Déclaration de guerre, membres, migration, traité. J'ai cru voir un truc sur les caps. Voilà, contribution à la flotte fédérale, il faudrait donner minime. Pour l'instant, on n'a aucun. On donne 10% de notre cap. Tu vois, c'est pas énorme, hein. Ouais. Mon air mais pour l'instant, honnêtement, pour le moment, je peux pas trop donner plus. Et moi, Fea, pour l'instant, je n'ai pas de chantier naval, ce qui complique un petit peu le fait de faire une flotte. Ah bah, bravo. Alors, il va falloir qu'on lance une nouvelle colonie. Ouais, on pourrait voir, on pourra passer la loi quand tu veux, on est apte.
Alors, il me semble que les modèles ont été faits à la dernière sauvegarde, mais je n'en suis pas sûr, faut que je vérifie ça. Bah, pour les modèles de flotte. Ça y est, enfin une technologie de capacité navale, enfin. Féa. Oui. Je ne vois pas ta flotte qui suit à Trivial ton armée pour envahir. C'est normal. D'accord, je suis embêté. Elle n'est pas prête. Totalement. J'ai une bonne techno partout. Je la double en fait, sinon ça va être un peu juste pour prendre les planètes. Okay. Et puis je risque de me faire contourner avec les deux flottes, donc je vais d'abord faire un premier tri. Alors si on pouvait l'amener non pas à faire un statu quo qui créerait un autre vassal, mais vraiment à capituler, je pourrais peut-être prendre des planètes chez lui. Je ne sais pas si je peux les revendiquer. Et non, je ne peux pas les revendiquer. Vous savez quoi ? Non. Dites bonjour. Ah ! Ça passe ? On avait voté la loi pour la majorité ? Alors, oui, Daniel Sonia, chez les sudistes. C'est n'importe quoi. Ah, GG nous. GG. La triche. Ils ont exploité un bug à tous les coups. Ça fait plaisir. Ah, par contre, j'ai l'Imperium qui revendique chez moi. Je te donne combien d'énergie avec mon pacte commercial, Tech ? Beaucoup trop. 10, c'est ça ? Ah, ok, et puis du coup. Les messages envoyés chez Dassonia, je récupérerai après. C'était quoi la question, Féa ? Le commerce que je te donne, il est de combien ? Sur quelle planète ? Il faut qu'il me rappelle, je vérifie. Non, mais globalement, sur l'Empire, de manière globale. Il peut pas le savoir, c'est toi qui le sais. Non. Regarde dans ton commerce. 14, alors, partout. Voilà. Que je me tâte à lui couper les vivres, quoi. Il a fabriqué une fédération dans notre dos. Oui, ça marchera pas. Moi, je pensais que tu viendrais chez nous. Je suis un peu surpris, tu vois. C'était un choc pour notre grand empire et partenariat. Mais oh, rêve pas trop. Pour l'instant, on est en compète. Ah, mais j'ai donc les Nelsonia qui peuvent coloniser les montagnes. C'est cool. Je vais l'appeler Ferrite, tiens. Allez. Ah oui, mais j'ai un dragon à vaincre. Un vaisseau de transport, bah c'est parti. Du coup, il n'a pas eu de rigolite ? Je suis presque... Ah si, si, il y a eu rigolite aussi. Ok, bon, c'est bien. J'avoue que je me sens bien avec les archives et tout. Bon, ça commence bien, hein, là. Arrêtez de prendre tout le monde pour vous, hein, bande de gros billes. Non, mais on a la triade qui nous embête. Bande de gros billes égoïstes. Ouais, la triade ne veut plus nous embêter très longtemps. Je pense qu'on va lui faire sa fête à un moment donné. Ouais. Vérification des patterns d'ailleurs au passage, ça c'est bon. Il me faut des sous. Ok. J'en profite pour signaler à mes viewers que si vous voyez mon interface en gris, c'est tout à fait normal, hein. C'est pas Stellaris qui a changé, c'est juste un mode en fait. Et au secours, je me fais attaquer. Bah oui, bah défends-toi. Bah avec quoi ? Ah merde, l'archive a piqué. Oh. Research concluded. C'est pas du tout le plan. Hein. L'archive a piqué l'étoile avec deux planètes intéressantes. Je vais essayer de choper par échange. Oh que oui. Je vais leur. De toute façon, je rush sur les chantiers navaux à chaque fois. Ce qui va lui couper les vibres. Naval. Les chantiers navals. Ouais. Ils ne donneront jamais des navaux. Ah, il veut pas. Même pas de navets. Non, t'as les chantiers navals, les chantiers navals, les chantiers navaux. Non. Je connaissais les navis. Les chantiers navrés aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vote ? Alors, charte de droits des travailleurs. Mais rigolez, quoi. Vous allez vous faire voir, là. Le poids politique des ouvriers. Mais pourquoi tout le monde vote pour ? Mais c'est de la merde, cette loi, la con, là. Quelle loi de merde ? Attends, faut que je... Poids politique des ouvriers. Non, la matrice, elle a dit oui. Mais oui, contre. Bien sûr que oui, qu'il faut contre. C'est n'importe quoi. Ah, quoi que ça donne du bonheur. 5% de bonheur. Mais c'est on l'emmerde le bonheur, on veut pas qu'il soit heureux les ouvriers, on veut qu'il travaille. Si, je vote contre si tu me donnes une faveur. Ça y est, ça commence à négocier. Bah non, c'est toi parce qui vote. Parce que là, moi j'hésite. Tu vois, j'hésite. Imperium a déclaré la guerre à Xeno Equalistic. Exit, continue à hésiter. Alors ça m'arrange beaucoup. Merci les gars, c'est très gentil. Tu fais juste une faveur et faveur, ça coûte pas cher. Te file déjà suffisamment de choses comme ça. Tu me rappelles dans. Tiens. Dans 2000 jours. Imperium a déclaré la guerre à l'Office Xeno. Oui.
C'est pas bon pour nous, ça, les affaires, Kin. Pourquoi mon fric s'en va comme ça, à toute vitesse? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des caravaniers élitoïdes. Oh. L'ordre numistique. Ah, est-ce qu'ils ont des pièces à me filer? Événement l'oracle. Je vais déclencher l'événement l'oracle. Ça y est, ils viennent de mon côté. Parce que alors moi, ils ont juste fait semblant, hein, je te le dis. Ouais, mais ils ont fait demi-tour, là, je les vois en hyperligne. Ah. Ouais, ils attendez, ont pas de me faire... Ah non, ils ont pas quoi de faire me mal. Putain, j'ai 7K, plus de 7K. J'ai 8K et eux, ils ont bon. Excusez-moi, je mets le jeu en pause 2 secondes. Il faut que je réfléchisse. Là, j'ai un événement qui vient de popper à la suite d'un site archéologique. T'en prie, allez, je mouline pour toi. Et donc, soit je fais popper un oracle dans un jour, ou soit je prends masse pognon. Ouais. Ah, ça aussi, c'est vachement bien. Oracle, oh désespoir. Non. Bah, allez, on va communiquer. On est là pour tenter le coup. Allez. En hop. Même temps, il fallait essayer, Fer, t'as raison. C'est bon, on s'est relancé. Si t'avais dit oracle, j'aurais tendu la main. Mais à part ça. Bon, bah voilà. Bah voilà, ça s'est fait comme tu dis. Allez, piou piou piou, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini, tu l'as dépiouté. Mais t'as déjà tout pris? Ah non, j'ai pas tout pris. Mais je vais rush sa flotte, mais d'abord je rush. Comment t'as fait pour sauter sans prendre les trucs là? J'ai pris les trucs. Ça se voit pas que tu les as pris sur le passage? Il y en a une, deux que j'ai pas pris parce qu'ils sont pas allés directement au contact de la. D'accord, tu prends des étoiles sans les prendre. Non, je les prends pas en fait, c'est que je rush vraiment les bases. Après, je vais faire demi-tour pour prendre tout ce qu'il y a au-dessus pour le faire capituler. Mmh. Attends, la triade, elle attaque qui? Imperium, sûrement. Non, les fausses autocraties sont où, ceux-là? Ah, bah ils ont des rebelles chez eux. Ça doit être des. C'est la planète Naos. Oh, je vais dire, c'est des anciens. C'est des anciens. Je suis pas sûr parce que c'est pas la même race. Je pense que c'est des primitifs qui sont. Ah oui, qui auraient popé. Ouais. C'est n'importe quoi. Colonie pénale, ouais, si je peux prendre ça à la limite. Tiens, on a la Pelissimus Corporation, c'est qui ça? Mais il m'attaque vraiment? Mais il m'envahit vraiment l'autre, à pile drame. Il est gonflé. On a un rebelle qui nous a rejoint, t'as vu ça? Kin? Mais quel rebelle, où ça? Chez Nelsonia, la Pelissimus Corporation. Ah ouais, tiens. Ils n'ont pas leur planète. Ah si, c'est Avalam. Ouais. Ouais, c'est un protectorat de l'Empire Nelsonien. D'accord. Et protectorat, c'est donc qu'il a élevé au titre de protectorat son. Son. Des primitifs, tout simplement. Et après, des ça rebelles va... de la triade. Et lorsqu'ils auront atteint, je crois, 80% ou un cinquième, je ne sais plus, des technologies de l'Empire d'origine, eh bien, le protectorat se transformera en vassal. Tout à fait. Et après, il pourrait être intégré, c'est à peu près ce que je compte faire d'ailleurs. Avec mes sales bêtes. Mince, j'étais amélioré ma flotte et du coup, elle est retournée à la base. Ça, bah c'est ballot. C'est le principe. Et oui. Bon, alors, étant donné qu'on vient de me donner pas mal d'alliages. Alors là, ils font des allers-retours entre Pildram et. Ouais, mais il a pas de flotte en vrai. Hein. Il a 3000. Il a un peu peur, quoi. Ouais. Okay. Il a 3000. Moi, j'attends la sortie de mon dernier vaisseau, là. Un croiseur. Ouais. Et bah, je vais aller le voir avec 3000 aussi, du coup. Et on verra ce qu'il en pense. Voilà. Ça allez, va en troupe, j'ai 500, je pense que ça ira pour le moment, en début de partie. Par contre, il est en train de reprendre des trucs derrière toi, non? Ah non. Non, pas pour le moment, il fait des allers-retours entre Ushbia et Pildram, parce qu'il a un peu peur. C'est bizarre le chemin que t'as fait, tu prends pas tout. C'est vraiment bizarre que tu prennes pas les planètes par là où tu passes. Bah non, je rush les bases pour lui couper les ravitaillements possibles au niveau de la base. D'accord. Ça permet de faire aussi un minimum blocus et après je vais rush la flotte et après je vais splitter mes faisceaux et je vais prendre tous les machins. Parole, pas de soucis. De toute façon, moi ouais. J'y vais aussi.
Il a plus de capital déjà ? Ouais. C'est triste. Disparition d'Empire inconnu. Bon, ah bah voilà. C'est la triade. Ou un gouverneur qui augmente la capacité administrative de 10%, je crois. Ah, tape pause. Ah non, c'est bon. J'avais confondu deux étoiles. Naos, j'avais l'impression qu'il y avait une étoile libre, mais non. La triade a rasé les rebelles. Oui. C'est ce qui arrive aux rebelles. Mais comment ils ont fait pour y accéder ? Ils sont passés par chez toi, Teka ? Je ne sais pas. Non, tu confonds, c'est pas la même chose. Il y a une étoile là qui est apparue à Ulus. C'était à Naos qu'ils étaient, les rebelles. Ah, d'accord. Oui, l'étoile apparue, c'est pour moi, c'est une. Je sais pas pourquoi, il y a eu une exploration scientifique et d'un coup, paf. C'est le dragon. Non, le dragon, je l'ai déjà eu sur Ulus. Chose. Il faut que je fasse des stations avec des ancrages. Allez. Oh, j'abandonne toutes mes technos pour rechercher des trucs sur les drones, les nuages et sur la lune mystérieuse de Savannah. Waouh. Ah, Savannah. Sinon, je me sens bien là. Tant mieux. À part un système que m'a piqué évidemment notre allié Archive. Saleté. Ah oui. Que du bonheur. Ouais. Allez, on va repeupler tout ça. Non, c'est con qu'on puisse pas coloniser les planètes de la Fédération. Est-ce qu'on a quoi d'autre ? Oh oui, j'ai des soldats, des artisans. Nelson, ils ont une petite flotte. Hein. Ouais ? Ouais. Mais ils en ont une plus grosse que la mienne, en tout cas. Mais c'est pas dur, ça. C'est con qu'on puisse pas faire. Si j'ai un Gelstalt, l'archive, Nelson, ouais. Et du coup, Avalam, c'est quoi Avalam ? C'est méga corporation ? Les mondes continentaux aussi. Bon, revendication. Pas mal. Research concluded. Pas mal. Alors, on continue. Les sudistes, on commence à être bien. Ce qu'on disait, c'est que oui, il faudrait pas qu'ils perdent trop avec l'Imperium, tout ça. L'office Xeno, équalistique, voyons voir. Et l'où Gen A3 ? Imperium, on est équivalent ? Bah, l'Imperium, il est obligé de passer chez moi pour aller l'attaquer. Et donc il suffirait très bien que je ferme mes frontières et puis bah voilà, il l'a dans l'os. Ça stopperait sa guerre. Pas forcément, il peut déclencher une trêve avec toi et passer quand même. Ouais, il pourrait, ouais. The special project has concluded. Oh, c'est quoi ça ? Niveau fédéral atteint. Bien. Oh. Niveau 3. On gagne quoi ? Un émissaire de plus pour la fédération. Vitesse et vaisseau dans l'espace. Ça, c'est cool. 10%. Influence pour la fédération, plus 1. Oh, system survey ça change rien. On va voir la fin du mois, attention. Et si ? Je peux enlever mes émissaires qui sont chez le... Ah, capacité navale, ouh, ça c'est bon, je prends. Deuxième technologie de capacité navale, c'est très bien. Elles ont mis du temps à apparaître, mais maintenant elles sont apparues. D'accord. On va verrouiller, on va faire une station de plus ici. Envoyer des émissaires chez Imperium, tiens, parce que... Je le sens pas trop. C'est bon, je vais aller reprendre moi-même ma pile drame. Mais quoi, j'imagine que de toute façon t'es parti pour le défoncer. Oui, bah là j'attends mes flottes à Afris et je vais défoncer sa flotte et puis après je vais. Ok, bah je suis en train de remonter aussi, ça y est. Alors je développe le voyage par trou de verre. Où est passée ma flotte de combat ? Bah elle est très très en retard. Tu m'as dit qu'elle était pas finie, tu l'as laissée à Trivial. Si, elle est. Non, je l'ai envoyée. Elle est là. Attends, elle a une autre Aéral. Aéral. Donc j'attends que la petite flotte se... C'est une flotte de 129 qui fait chier. D'accord, bah dis-lui, tu fais chier. Je vais la mettre... Ça y est, il est venu sur toi. Ouais, je l'attendais. D'accord, oui, bah bonne chance à lui. Non, pas bonne chance à lui. Triste. Et je fais une grosse flotte, j'ai réfléchi à mes troupes d'invasion et on pourra presque faire une guerre. Hein. Bah écoute, je me prépare à la guerre. Oui, on y était, on discutait de ça. Avec la triade, hein. Oui, la triade, évidemment. Mais nous, c'est pareil, on va se préparer pour la future guerre aussi, après ? Peut-être.
Oh, je suis à peu près sûr qu'on va le faire. Armée nelsonienne, ça suit. Et les grous, ça pique un peu moins, mais... Allez, on envoie la flotte à Situla. Ouais. Parce que ouais, Situla, c'est bien, Situla pas... C'est dommage. Bon, okay. C'est plus compliqué. Désolé. On aimerait bien te pardonner tout ce que tu dis, mais on va pas tout pouvoir pardonner. Bah écoute, il fallait que je la fasse celle-là, l'occasion était trop belle. Elle est bien, elle est très très bien. Bon, on va faire quelques crédits énergétiques parce que, quand même. Je vais débloquer une nouvelle station, donc je pourrais faire des stations de chantier naval. L'une à la dérive, oh. Bon, bah ça y est, on a officiellement un cas de recherche et je vais faire ma première cuménopole très vite, très 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 vite. Ça sera... Eh ben... Ah, ça sera où? Oh, je gagne de la matière noire. Cool. Ça sera ici. Ouais, moi aussi. Faut que j'aille construire une station pour la récupérer. À Nitris. Bon, par contre, je ne rêve pas d'avoir la C-Break. Je suis sûr que Slan, tu me dépasses largement. Oula. J'ai les Iraciens, donc tu auras la C-Break quand tu auras la C-Break. Moi, la planète des Iraciens, je l'ai déjà trouvée, hein, de toute façon. Elle s'appelle Iras et c'est un gros trou au milieu de mon système. Juste à côté de ma capitale. Et moi j'ai un truc tout pourri donc je suis pas pressé d'aller le choper. Qui fait 4 énergies, 10 de chaque recherche, mais 13 de sociétal, 5 alliages et 5 gaz. Alors j'ai la conscience ascendante robotique qui me demande d'aller coloniser une planète à 38%. Moi je veux bien, mais bon. Je serais toi, je ferais tout ce qu'on te dit. Il y en a qui m'ont essayé de pas faire, ils ont eu des problèmes. Ouais, bah j'en vois celui qui a le plus de chances de survivre. Allez, c'est parti. Techno, capacité en base stellaire, plus 2, habitabilité. Ah, oui. Allez, il me faut des cristaux. Lassitude de guerre, ce serait bien d'étudier ça, mais ça coûte cher. Oh, capacité navale, plus 30, punaise. Ah, merde. Ils auraient réussi à avoir une flotte... Un ch'touille avant que je puisse revenir, ça m'a fait des pop, mais... Alors, recherche bon scientifique, c'est une galère. Construction completed. Hop, j'avais oublié de faire ça, tiens. Voilà. Engaging hostile station. La limite de commandement de la flotte qui est un peu faible. Non... Pardon. Et hop là, ça s'est fait. Mais tout va bien, tout va bien. Tout va bien. On va se faire donc plusieurs flottes comme ça. Ah. Oh, bien ça. Alors, excusez-moi, je re... Vas-y, va faire un petit tour, pas de soucis. J'ai le choix entre production plus 10 des stations minières ou alors des gains infligés aux anciens drones miniers plus 33. Il y a un event final avec des drones? Je sais pas, mais de toute façon, qui pourrait se passer de production plus 10? Personne. Honnêtement. Ouais, honnêtement, ça me paraît un peu bizarre de pas le prendre. C'est tout ce que t'es un peu bizarre. Je ne prends jamais le dégât plus 33%. Je préfère faire 33% de flotte en plus et c'est réglé. Station de défense en plus. Voilà, j'ai vaincu. Bon, c'était pas très dur, hein. Deux stations à 180 de puissance. Mais ils arrêtent pas de mourir, mes scientifiques. C'est quoi ce bazar? Pitié. Okay, t'as déjà tout pris en fait, quasiment. Hein. Ouais, bah, j'ai une flotte qui est en train de reprendre le haut. Ouais. Ils ont fait fuir mes navires parce que la station n'a pas tenu quand les reliquats de flotte ont apparu sur la capitale, malheureusement. D'accord. Donc moi, là, je vais aller prendre Aldus, Bors et Seb. Je peux pas les prendre pour moi, hein. Je les ai pas revendiqués, ouais. Mais je vais aller là-haut, je vais aller là-bas. Alors, une jeune station. Attends, il faut que j'aille me poser sur... ma planète. Merci. Ah bah elle est apparue là. Elle est à Genius, la flotte.
Ça va, c'est nickel. Chez toi. La flotte de combat. J'avais fui, mais je sais pas où elle avait fui, mais elle a fui chez toi. En fait. Ça, c'est cool. Bah, dis donc. Bah, dis donc. Est-ce que du coup, c'est à côté ? Bah, oui. Alors. Où il y a des planètes, chez lui. Bah, là où il n'y a pas de petits picots. Donc, à Krakom. Ouais. Il y a Turbik. Au minimum. Ah oui, c'est vrai que j'ai John James Preston. Oh mon dieu. L'appel que je dois coloniser est monté à 80%, j'ai pas fait gaffe, j'ai eu un event ou quoi? Bah oui. Oh. Non, c'est parce que t'as une autre race hein, qui a dû arriver dans ton. Dans ta. Avec le traité migratoire. Oui, tiens, c'est vrai. Est-ce que je peux abandonner l'autre construction du coup? Mais non, c'est pas grave, tu déplaceras ta pop. Bon. Annule pas un vaisseau colon. Je l'ai pas fini de la construire, je récupère, je relance. Croissance exo champignon. Oui. Ça ralentit les constructions planétaires, la BTV était de 10%, mais ouais. J'attends d'avoir tout revendiqué chez la triade avant de l'attaquer. Hein. Donc il faut laisser encore un peu de temps parce que l'influence. Ah oui, oui. Ah oui, le mec qui veut tout blober d'un coup. Ouais. C'est cette dangerosité quand même. On devrait les éliminer, les consciences collectives, c'est quand même des. C'est dégueu. Et c'est pas pourri. C'est dégueu. Ils veulent purger des personnes, tu vois, c'est totalement ignoble quoi. Bon, je lance des recherches, ça dure 6 mois la recherche, c'est cool. Ah si, on va les purger. Pardon. Ah oui, tu vas tout purger. Je vais pas dire à quoi ça me fait penser, si on va faire strike, mais. Mais sinon, non, tu peux les purger, hein. Tu peux les mettre en cheptel, mais tu pourras pas les laisser se reproduire, par contre, toi. Ouais, on va voir. On verra ce que j'en fais. Ah oui, c'est vrai que j'ai un truc que je ne connais pas en archéologie, à la poursuite des implacables. On les a traqués, on a trouvé un cargo silencieux. J'en suis là. Allez, encore un nom de planète. Alors, qu'est-ce que je vais donner maintenant? Alors. T'as du minerai en rap, Féa? Ah oui, en fait, ça besoin qu'il y ait. Oui, j'en ai si tu veux. Ah, moi, de minerai? Non, j'en ai pas besoin. J'en fais plus 190 par mois, donc tout va bien. D'accord. Moi, j'en fais 100 par mois, mais il m'en faut beaucoup plus. Il m'en faut des dizaines de milliers. En fait, des centaines de milliers. Ça, j'ai pas. Quoi? Allez, argile, voilà. Parce que personne ne me fait de suggestions. Bah. Je viens de vendre la mauvaise chose. Ah, victoire. La paix entre le conclave. Ah oui, non, c'est la paix. Ouais. Ouais, c'est la paix. Alors, bien. Sache Allez. Que ce vassal me donne. Ça va pas être beaucoup. Hein. Je sais pas. 20 énergies par mois, un truc comme ça, ça va. Vu son niveau de développement. Bon bah je me déplace vers le sud, tu me dis quand t'es prêt. Ah je suis frustré là. Bon, c'est pas encore merci parce que ça doit être pas encore le bon mois. Le sud, pas Nelson. Ça m'embête non, un peu aussi. Pas pour Nelson, bon. Nelson il est déjà intégré dans la fédération. Si on l'attaque, on attaque toute la fédé. Non mais faut zigouiller la famille là vite fait. Ah ouais déjà? Bah oui. Ils l'ont mis chez les sudistes là. Ouais Nelson ils l'ont intégré dans les sudistes avec l'astuce que je leur ai donnée. 2 secondes plus tard il était intégré. Par contre, la famille, elle ne veut pas être dans la fédération avec moi. Oui, mais de toute façon, vous inquiète, nous, elle est d'accord. Ah oui, parce qu'on a la Pellissimus Corporation, la famille ne veut pas. Merde. C'est pas de bol, hein. Bon, faut pas traîner. Oh. Moi, je me mets en position. Toi, tu te mets en position là-bas, donc moi, je vais aller plutôt vers... Moi, je me mets à Charla. Bon, bah, je vais faire l'inverse, je vais aller être attaqué par l'autre côté. TK, t'as des grosses armées. Bah, tu veux ça, pas... ça va vite. Tu veux, tu attaques d'où tu veux, de toute façon. C'est pour le prendre en tenaille, quoi. 5, oui, bah, moi, je vais juste résister, hein. J'ai pas une vraie grosse flotte. Et je vais monter à plus de 3K l'armée, je pense, spatiale. Est-ce que la flotte de Fédé, elle est en train de se renforcer grâce à notre cher partenaire? Non. Non, il crée pas, lui? Il fabrique pas? Non. Non, il trouve ça pas assez rentable pour lui, apparemment. Alors, très bien, dis-moi ce que tu veux que je fabrique, alors. Bah, tu fais juste renforcer, hein, ça... Renforcer? Je sais pas. Allez, je peux pas dire. Elle est où? Elle est chez moi. Je peux pas faire renforcer. Et saut. Je peux pas faire renforcer, moi. D'accord. Bah, fais...
10 corvettes. Non, 10 9 corvettes. Tu veux pas que je fasse des croiseurs ou des trucs comme ça? Bah déjà on commence par les corvettes, après on verra pour la suite. D'accord, ouais, c'est parti. Là actuellement j'ai mis 10 corvettes, enfin 5 croiseurs et 5 destroyers. Seule enfin, la bon, présidence est autorisée à construire, il n'y a que toi qui est autorisé. Voilà pourquoi il ne construit pas ton partenaire. D'accord, c'est pour ça. On va peut-être passer une loi. Il doit y avoir une, ouais, une loi, ouais. Alors, allons-y. Alors. Construction de la flotte, je propose. Un atout en plus. Une loi. Très bien, et maintenant surtout on ne construit rien, on attend. Hop, un c'est petit 10% de production des biens de conso, ça peut être pratique. Même si je suis à 17, sans remarque, je pourrais prendre peut-être les rayons laser à la place. Bon, on verra. Quoi, ils me demandent 3000 à chacun. Donc c'est un peu long hein, le temps que les flottes arrivent. Hein. Bah oui, de toute façon, moi, il faut qu'elles fassent tout le tour. Moi, c'est pareil, il faut qu'elles fassent tout le tour. Ouais. Après, je pourrais attaquer directement à Willis Troll. Prendre le hasard, ça pourrait être pas mal, mais comme son empire est plutôt de l'autre côté, je vais. Tiens, j'ai pas pris un atout d'ascension parce que je voulais prendre quoi? Ah, je voulais pas prendre l'économie de Paul, je crois. Projet archéologique. Voilà. Bon. Encore un nom de planète. À trouver. J'ai la peste tyrassienne. Ah, wow. C'est pour ça qu'il est menaçant, ce petit garçon. Allez, celle-là, on va l'appeler calcaire. Donc, bah, évidemment, évidemment, grâce aux 5200 points de reliques rassemblés, je suis légèrement en avance sur vous. Le double. Est-ce que je dois répondre à ça? Non, laisse tomber. Les sudistes vaincront, voilà. En tout cas, les sudistes survivront. Alors, soit je prends une... Maybe. Alors, priorité, c'est quoi? Poids, puissance... Tu l'es... Eh ben, c'est passé, le truc, là. Le poids politique grâce à la puissance économique... C'est bien, ça, c'est passé. Oui! Impeccable. Ça, j'aime bien. Extension de l'Empire, ouais, bon, ça va. Réseau d'études astrales, qu'est-ce que ça fait, ça? Ils étaient tellement sûrs de leur supériorité qu'ils l'ont pas vu passer, disons. Tout le temps, tout le temps. Allez, le réseau d'études astrales, ça nous intéresse, faut y aller. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu passer? Oh, encore des trucs. Il faudrait former le conseil galactique rapidement. Ouais, il y a un truc sur le bonheur des peuples là qui est passé. Si, on a le temps. Faut le faire avant que ce soit eux qui soient dedans. Là. Ah, moi, ça me va le poids diplomatique grâce aux technologies. Ça me va. Ça me va aussi, clairement. Ouais, je te le laisse. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Bon, manque toujours un nom de planète. Alors, espèce. T'as regardé une liste sur Google qui est ton ami dans ce cas-là, c'est la commission? Bah non, même pas. Je fais ça au feeling. Je commence à voir. Pour combien de planètes j'ai? Ah, on a plus l'icône, c'est vrai. Tiens, je vais l'appeler Grey, voilà. Grey. Bon, non, je sais même pas si ça s'appelle, ça s'écrit comme ça. Non, je vais pas l'appeler comme ça. Beaucoup trop de pop. Hein. Beaucoup trop de pop. Faut que je fasse une planète vite fait. Si je l'appelle Uranium, mais peut-être que les gens qui vivent dessus vont m'en vouloir. L'uranium n'est pas un. En plus, c'est un pas minéral. Un minéral. Non, ça colle pas. Pourquoi c'est un monde administratif, cette histoire? Qui c'est qui a fait de la géologie ici? Je sais pas, schiste par exemple, c'est cool. Non, c'est déjà fait, schiste. Écoute-moi, c'est plus simple que la jungle, hein, c'est Amazonia. Voilà. Fais pas si tu veux un truc cool. Plazocléas, je sais pas. Ouais, bien sûr. Opale, ah, tu veux appeler une pierre opale? Pas que non, c'est peu des minéraux, c'est pas des roches en hit comme tu veux. Les gemmes, tu les refuses? Ah non, mais j'ai pas qu'en hit. Hein. Silex? Ah oui, bonne idée, Silex. Bah voilà, Silex. Ok, merci. Presque de rien. Presque. En gros, ça veut dire que tu payes. J'attends ta faveur avec un peu de... avec impatience. Ouais. Je note, ouais. C'est noté. Prestation de service, moi je dis c'est normal. C'est noté, je vais essayer d'y penser. Mais tu sais, je suis une conscience collective, je pense beaucoup de choses, donc je peux t'attendre un petit peu avant de l'avoir. Oh, ouais. Pack commercial avec le xéno-équalistique.
Très bien, ma population va être modifiée par les fichus robots là. Ah, toi aussi. TK, il me reste plus que deux systèmes à revendiquer. Très bien. Du coup, je vais refaire un tour sur mes... J'étais en gestion planétaire, mais là, je crois que c'est la fin de l'épisode. Non. Déjà ? 35 minutes, 30... c'est pas possible. Ah, moi, j'ai mon record qui me confirme. Aïe. Ah, bon, bah, écoute. On voit que les nordistes ont déjà une bonne partie du nord. La famille va blober ou pas, du coup ? Non, la famille va disparaître. D'accord. La famille va, à mon avis, fondre. Ouais, c'est dommage. Mais j'ai mis sur pause, hein. Il est temps de dire au revoir, là. Et oui, sur un renforcement de flotte au prochain épisode. Merci à tous, merci les copains. Salut. Salut. Salut.